C'est le match des petites françaises, la Twingo de Renault contre la 108 de Peugeot. Deux citadines avec deux partis pris bien différents. Matériaux plutôt haut de gamme et finitions soignées pour la 108. Objectif, séduire d'abord une clientèle féminine. C'est effectivement majoritairement féminin et c'est souvent une seconde voiture. En tout cas, la praticité, la maniabilité est un des points qui est clé. Du côté de Renault, on a misé sur le ludique, intérieur moins haut de gamme que chez Peugeot, mais plus fun. Et puis l'atout de cette Twingo, c'est ça, le moteur est dans le coffre et figurez-vous, ça change tout. Ça nous a donné des dimensions inédites, une voiture plus courte à l'extérieur et 22 cm plus d'espace à l'intérieur, alors c'était bien parti et après c'est déroulé facilement. Alors ce match 108 contre Twingo, il va falloir encore attendre quelques mois pour le voir sur la route. La Renault Twingo sera disponible à partir du second semestre de cette année. Quant à ces 108, eh bien vous pourrez commencer à vous l'offrir à partir du mois de mai ou de juin. Mais moi, je m'en vais déjà avec. Bonjour mademoiselle, en route s'il vous plaît.